Il a créé la surprise en annonçant son départ. Ehud Barak, le ministre israélien de la Défense, quittera la vie politique fin janvier. Il y a 53 ans, en novembre 59, j'ai rejoint l'armée israélienne et depuis, j'ai servi Israël du mieux que j'ai pu. Je suis devant vous aujourd'hui pour vous annoncer que je me retire de la vie politique et que je ne me présenterai pas aux prochaines élections à la Knesset. Ancien leader et premier ministre travailliste, puis fidèle allié de la droite, dirigé par Benjamin Netanyahou, les multiples zigzags de Barak lui ont valu une réputation d'opportuniste auprès du grand public et ont fini par user son image de héros militaire. Son plus grave revers s'est produit en 2000 lors de l'échec des négociations avec le Palestinien Yasser Arafat et l'Américain Bill Clinton.